Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans le 15e épisode du tutoriel Solarus et on va parler des magasins. Donc, je vais vous expliquer comment utiliser les objets qui s'appellent les shop items, qui sont disponibles dans l'éditeur. Voilà, ils sont disponibles ici. D'ailleurs, les icônes qui sont là, elles vont changer dans Solarus 1.1. Alors, mais donc ça c'était juste pour l'introduction, parce que j'ai quelques petits fichiers à vous rajouter pour ce chapitre. Comment on va faire un magasin? On va mettre on va faire une petite boutique avec un vendeur. Donc c'est l'occasion de récupérer des PNJ qui sont dans Link to the Past. Donc là j'ai repris une planche de sprite de Link to the Past qui est utilisée dans Zelda Mystery of Solarus DX. Alors il y a le fichier PNG et puis plein de tous les sprites correspondants qui font tous référence à ce même fichier PNG. Plus la mise à jour du project db.date pour indiquer la présence de ces sprites. Donc vous prenez ces fichiers-là qui sont dans le lien de la vidéo comme d'habitude et vous les mettez dans vos data. Oui. Voilà. Et ensuite, eh ben, vous pouvez lancer l'éditeur. Quoique, on va d'abord se demander qu'est-ce qu'on va mettre comme objet dans le magasin. Je vous propose de créer trois objets, parce que ça nous servira dans le prochain chapitre. Le but, ça va être de faire une chaîne d'échange. On va reprendre des objets qui existent déjà dans Zelda Mystery of Solarus DX. Pour pas s'embêter à faire tous les graphismes. Donc si vous allez voir dans Sprite Entities Items.png, il y a un peu tous les graphismes des objets d'équipement de ZSDX. Et nous là on va faire le miroir qui est ici, qui va être vendu dans le magasin qu'on va faire tout de suite. Et dans le prochain chapitre, on échangera le miroir à un personnage contre une pierre de feu qui est ça, qui elle-même sera à échanger contre la clé d'os. Et ça va nous permettre d'apprendre plein de choses, vous verrez. Donc on va tout de suite créer ces trois objets, le miroir, la pierre de feu et la clé d'os. Donc c'est ces trois objets qui ont absolument aucun effet si ce n'est être sauvegardés, c'est-à-dire on va sauvegarder le fait que le joueur les ait ou non. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous, parce que les rubis qu'on a fait dans l'épisode précédent, ils sont le fait d'obtenir un rubis, bah c'est pas sauvegardé. C'est le nombre total de rubis qui est sauvegardé, ce qui est différent. Donc vous allez voir que le script va être encore plus simple. Donc, j'ouvre l'éditeur. Bien sûr, il faut que l'éditeur soit fermé au moment où vous copiez des nouveaux fichiers et vous changez le project db.date comme j'ai fait dans le début de l'épisode. Alors, donc on a tous nos sprites qui apparaissent ici. Et on va créer donc trois nouveaux items. Pour l'instant, on a ceux-là. On va en créer un premier qui va être le miroir mystique. Mystic Mirror. Oups, comme ça. Voilà. Bon, il y a un petit bug là, il s'affiche avec un dossier alors qu'il devrait pas, mais ça change absolument rien. Pierre de feu, Firestone. Et le troisième, on a dit que c'était la clé d'os. Bone Key. Voilà, comme ça vous apprenez l'anglais en même temps. Bone Key. Parfait. On a nos trois objets. Pour changer un peu, je vais les coder directement dans l'éditeur, parce qu'ils vont vraiment être très simples. Donc si vous vous souvenez des scripts d'items, vous pouvez commencer par cette ligne-là pour récupérer l'item. Ensuite, vous faites une fonction onCreated dans laquelle vous définissez les propriétés de votre objet. Donc là, la seule propriété de cet item-là, c'est qu'il est sauvegardé. Ça veut dire qu'une fois que le joueur sauvegarde et redémarre sa partie,
d'ailleurs même sans qu'il sauvegarde, on va être capable à tout moment de demander au moteur est-ce que le joueur possède l'objet Mystic Mirror. Donc, il y a une fonction, vous irez voir dans la documentation pour en savoir plus, cette save game variable qui est l'emplacement, le nom de la variable où vous voulez que ça soit sauvegardé. Donc l'état de possession du miroir mystique sera sauvegardé. Alors, on va appeler ça par exemple possession Mystic Mirror. Et c'est tout. Après, tout le reste est géré par le moteur. Par exemple, une fois qu'on va créer notre objet dans un coffre, ou plutôt dans un magasin, eh ben, c'est le moteur qui va se débrouiller pour afficher le sprite qu'il faut. Et ça va marcher parce que le sprite existe déjà. C'est le sprite items. En fait, il est dans entities. Items.date. C'est celui-ci qui contient tous les objets d'équipement. Et ça va marcher parce que on l'a appelé exactement avec le même nom que dans ZSDX. Pareil pour les deux autres. Sauf que là, on va sauvegarder ça dans Firestone. Et puis le troisième, on va le sauvegarder dans Possession Bone Key. Voilà, je sauvegarde, je ferme. Je ferme avec un clic du milieu, mais ça marche pas. Ah, si, ça marche. Ok. Normalement, on a nos objets. Parfait. Dernier détail. Quand ces objets se trouvent dans des coffres ou dans des magasins ou ainsi de suite, le moment où le joueur les obtient, vous savez qu'il y a un dialogue qui s'affiche. On avait déjà eu le cas dans des épisodes précédents. Donc il faut créer ce dialogue. Bah justement, j'avais déjà ouvert par avance. Donc on va s'inspirer fortement des palmes par exemple, tiens. Alors, le miroir. Oups. Miroir mystique. Mystique, comme ça. Donc ces trois objets, ils n'ont qu'une seule variante. Donc on laisse le 1 ici. L'icône. Ah oui, il faut aller chercher l'icône. C'est vrai que c'est toujours un peu fastidieux de créer tous ces dialogues. Sprite, HUD, dialogue, icône. Comme ça, il y aura une belle icône qui va s'afficher dans notre dialogue. Donc 10, 11, 12, 13, 14. J'aurais peut-être dû aller les rechercher dans ZSDX pour aller plus vite. Mais bon, c'est pas grave. Tu as trouvé le miroir mystique. On va mettre un petit message pour continuer. À quoi peut-il bien servir? Peut-il bien servir? C'est la question. Voilà pour le premier. Le deuxième objet, c'était la pierre de feu. Tu as trouvé la pierre de feu. Dans ce jeu, il n'y en a qu'une seule, on va dire. Parce que dans ZSDX, il y en avait trois. Le troisième qu'on a créé, c'était quoi déjà? C'était la clé d'os. Clé d'os. Et j'ai oublié de mettre la bonne icône pour la pierre de feu, qui est le numéro 30, 31, 32, 33, 34. Et pour la clé d'os, c'est le... Tadadin. Où est-ce qu'elle est? Eh ben elle est là, c'est le 20. Je vous expliquerai un peu... Il y aura un épisode dédié vraiment au système de la boîte de dialogue et de tous ses paramètres, mais ce sera après la sortie de la version 1.1.
Parce que là, tout deviendra personnalisable. Clédos. Voilà, fabuleux. Et puis on va aussi ajouter le cœur parce que on avait oublié volontairement, vu que les cœurs habituellement on les ramasse par terre, il n'y a pas de dialogue qui s'affiche. Mais nous on va ajouter aussi un cœur dans le magasin. Donc là il y aura un dialogue qui pourra s'afficher. Cœur. Et l'icône, est-ce que j'ai une icône au fait pour les petits cœurs tout bêtes? Ah oui, elle est là. Quatre-vingt, 82, 83, 84, c'est ça? Tu as trouvé un cœur de vie. Point d'exclamation. Voilà, je pense qu'on est prêt pour faire notre magasin. Ouais. Donc notre petit magasin. Alors, je reviens sur la map extérieure. Et ben on va dire que c'est cette maison-là. Finalement, ce sera pas la maison de Link, ça sera un magasin. Donc, je fais un clic droit sur Map, New Map, Shop. Hop, voilà. Donc World, il faut mettre un monde, on va mettre Inside. Ça on s'en fiche. Tile set de la maison bien sûr. Et puis musique. On va mettre une musique de village. Voilà, village Cocorico. J'enregistre ma map qui est pour l'instant vide. Et ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à créer votre map de magasin. Alors moi je vais la faire en 320 par 240 pour que ce soit pas trop grand et que ça aille relativement vite. Mais le tile set est organisé exactement de la même façon que celui des cavernes qu'on a déjà utilisé dans les épisodes précédents, mais il est beaucoup plus lisible et beaucoup plus facile à comprendre parce que les murs sont bien droits, bien réguliers. Donc ça va être beaucoup plus facile. Alors n'hésitez pas à faire une map un peu plus grande, un peu plus fournie pour vous amuser. Moi, je vais faire un truc un petit peu minimaliste pour que ça aille vite, mais que j'ai quand même le temps de le créer au cours de l'épisode, parce que je trouve que c'est plus sympa. Alors, je fais une porte. Ça, c'est le haut de la porte. Hop. Le sol. Donc, il va falloir mettre ces petites bordures. Donc vous voyez, ça ressemble beaucoup aux cavernes. Ça ressemble beaucoup, pas pour le joueur, mais pour vous, créateur. C'est les mêmes tiles, avec les mêmes dimensions. Dans toutes les cavernes, les maisons, les donjons, en fait, c'est la même chose. Le château aussi, d'ailleurs. Ok, nous avons la base de notre map. Ah tiens, j'ai fait la porte à l'envers. Voilà. On va faire une petite destination. Direction vers le nord. Ah oui, alors. Oui, je lui donne un nom. Et à partir de la 1.1, il n'y aura même plus besoin puisqu'on pourra avoir une. Ça sera la destination par défaut. Si on précise pas, et comme ça va être la seule de la map, on pourra ne pas mettre de nom. Mais c'est quand même plus propre d'en mettre un. Parce qu'on sait jamais, quand vous faites un jeu, peut-être que vous allez revenir sur cette map 6 mois plus tard et décider de rajouter une sortie secrète, un passage secret, je sais pas quoi. Alors. Attendez, parce que ça c'était le point de départ. On va pas renommer l'entité puisque il se peut très bien que le joueur ait une sauvegarde qui pointe sur ce nom de destination. Donc je vais en faire une autre. Qui va s'appeler From Shop.
Comme ça, j'essaye de vous montrer aussi un peu les bonnes pratiques. Et ici, from outside. Après, on va créer le téléporteur. Destination outside east. From shop. Voilà. Le from shop qu'on vient de créer, il apparaît seulement si vous avez sauvegardé votre autre map. Ce qui est normal. Ok, on remet le high layer. Et puis après, on va faire une destination ici. Tout ça, c'est des choses que vous connaissez, mais ça fait pas de mal d'avoir un petit rappel. Ok, tout ça, c'est bon. Donc voilà notre magasin. On n'a toujours pas créé d'articles à vendre. On va peut-être mettre un petit peu plus de déco quand même. Vous voyez, des petits piliers comme ça, vous pouvez mettre. On va faire une table. Donc ça c'est, il y a une seule table qui, vous voyez, il y a cette table là. En fait, elle est extensible. On va faire une grande table si vous voulez pour vendre tous vos articles, pour exposer tous vos articles de magasin. Ah. J'arrive pas à cliquer sous Windows. Oula, ça fait bizarre ça quand même. C'est pas fait pour être répété horizontalement, je pense. Ou alors ça se répète avec celui-ci. Peu importe, c'est pas le sujet. Donc voici votre magnifique table. Après, vous pouvez mettre un tapis ici. Vous pouvez mettre plein de choses. Vous pouvez faire des fenêtres. Ça, c'est toujours sympa dans un magasin. Hop. C'est en trois parties parce que c'est extensible aussi. Vous pouvez faire comme ça, par exemple. Et puis, on va mettre notre personnage. Donc les personnages non joueurs, eh ben, ils sont là. Alors là, il s'affiche avec une image générique, mais nous, on va lui donner un vrai sprite. Pourquoi c'est grisé là? Donc bien sûr, ça bug. Donc c'est une personne et... Bah, je veux qu'il ait un sprite, pourquoi il veut pas me proposer le sprite? Tant pis, on verra les NPC, les personnages non joueurs dans le prochain épisode. On va faire un magasin où il n'y a pas de vendeur. Alors, voici l'article de magasin. En fait, il est plus grand que la table. C'est un peu bête. En tout cas, le trésor, ça sera le miroir mystique, variante numéro 1. Alors, vous pouvez sauvegarder votre article de magasin pour dire est-ce qu'il a été vendu ou pas. Donc, on va appeler ça Shop Mystic Mirror. Et vous lui donnez un prix. Donc, le prix, je sais pas, c'est quand même un objet précieux. Mais c'est le début du jeu, alors on va dire 35 rubis. Et il faut mettre un dialogue de description. Que ça, j'ai oublié de le faire. En fait, quand le joueur va s'approcher de l'article de magasin, le moteur va lui... Enfin, le moteur. Il y a un dialogue qui va s'afficher, qui va décrire l'objet. Donc on va dire shop. Mystic Mirror, comme ça par exemple. Bon, on va garder l'icône, ça c'est très bien. Il y a un dialogue qui va décrire l'objet et ensuite automatiquement il va afficher le prix et il va proposer au joueur de l'acheter. Un magnifique mais étrange miroir. Oups, j'arrive pas à écrire. Et comme on a dit qu'on allait aussi mettre un cœur dans le magasin,
vais aussi faire un dialogue pour le cœur. Miroir mystique du magasin. Cœur du magasin. Hop. Et l'icône du cœur, c'était combien déjà? Donc à faire, on va la réafficher. 84. Un petit cœur. Voilà. Et donc là, il faut remettre le même ID que celui qu'on vient de créer. Shop.mystique. Mirror. Voilà. Et on le met ici. Donc il va faire cette taille-là, c'est-à-dire que la table est un peu trop petite. Alors je vais l'agrandir. Je trouvais que ça faisait bizarre, mais tant pis, hein. Voilà. C'est pas si bizarre que ça. Et donc un deuxième article qui va être le cœur. Le cœur, ça va être beaucoup moins cher et ça va pas être sauvegardé. C'est-à-dire que lui, on va pouvoir l'acheter plusieurs fois. 5 rubis. Et description, shop.heart. Tac. Voilà. Il n'y a plus qu'à essayer. Ah bah ça commence fort. Error.txt. Datafile sprite entities rupee icon.dat does not exist. Quoi? Ah. Ah oui, parce que les objets de magasin, toute la programmation est gérée par le moteur. En fait, il va afficher l'objet à vendre, il va afficher le prix et il va afficher une petite icône de rubis. Donc, il nous faut cette icône que j'ai bien sûr complètement oubliée. Donc, rupee icon, elle est là. Ça, c'est le sprite. Ok. Donc je vais prendre ce fichier-là, 2LSDX, sprite entities, rupee icon. En fait, elle est dans, voilà, c'est cette icône-là. D'ailleurs, on devrait l'utiliser pour l'affichage du compteur de rubis à l'écran, ce serait mieux. Et donc dans l'archive, je vous mettrai cette petite icône qui manquait. Voilà. Et puis, pour faire vraiment les choses bien. Ferme-toi, toi. On va aussi l'ajouter dans l'éditeur, c'est-à-dire dans projectdb.dat. Donc le sprite, il s'appelle, le fichier c'est entities rupee icon. Voilà. Désolé pour ce petit contretemps. Ferme-toi, toi. Oh, c'est moche. Alors, en tout cas, je vais sauvegarder. Hop. Donc c'est moche parce que les rubis, ils apparaissent sur le bord de la table comme ça. Enfin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment agrandir notre table. Et on voit bien qu'il faut la descendre de 8 pixels, puis on va aussi la monter de 8 pixels pour faire de la marge. Allez, donc en fait, je la descends de 16. Descend ça de 8. Ah, je peux pas sortir. Ah, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise et vous m'avez pas prévenu. Regardez. Il y a un mur là. J'ai oublié de surcharger le mur avec une dalle sur laquelle on puisse marcher. Voilà. Il n'y a plus de mur. C'est le tile le plus haut qui l'emporte, souvenez-vous. Ah voilà, c'est un peu mieux, sauf que ça s'affiche en blanc sur
Ah non, c'est pas mieux parce qu'on peut pas les acheter. C'est bizarre parce que dans ZSDX j'avais fait une map qui ressemblait un peu à ça et ça se passait bien. Enfin, c'est pas grave. Tant pis, je vais laisser comme ça pour l'instant. Un magnifique mais étrange miroir. Donc là, je me suis approché du miroir et j'ai appuyé sur espace. Quand on aura le HUD, l'affichage des actions, des icônes là-haut, ça sera, le joueur pourra plus facilement comprendre ce qu'il peut faire. Donc ça, c'est le dialogue qu'on a écrit. Et après, le moteur il poursuit automatiquement en disant « Prix 35 rubis, acheté ou ne pas acheté ». Normalement, il y a un curseur qui devrait s'afficher là, pour pouvoir choisir entre acheter et ne pas acheter. Donc ça ne marche pas du tout. Même chose pour les cœurs. Où est-ce qu'il est mon dialogue de magasin? Il est forcément quelque part là-dedans. Shop.question. Mal, voilà. Il est mal configuré ce dialogue puisqu'il manque le paramètre qui dit que c'est une question. Un magnifique mais étrange miroir, prix 35 rubis, voilà. Maintenant on peut l'acheter ou ne pas l'acheter. Donc si je dis ne pas acheter, je l'achète pas. Et si je dis que je veux l'acheter, ça va pas marcher non plus, j'ai pas assez d'argent. Alors on va prendre de l'argent, tiens, ça tombe bien, il y en a là, comme par hasard. Je reviens dans mon magasin, je sauvegarde. Hop. Tac. J'ai dépensé la moitié de mes rubis. Et si j'achète un cœur, normalement lui, par contre, il va rester sur la table, parce qu'on peut en acheter plusieurs, il est pas sauvegardé. Un cœur de vie. Et voilà, je peux en acheter plusieurs. C'est merveilleux. Si je sors et que je reviens, il n'y a plus le miroir. Si je sauvegarde et que je relance la partie, normalement, il n'y a plus le miroir. Voilà. On a réussi à faire un magasin très très moche. Félicitations. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses. Et on se retrouve samedi pour un épisode sur les personnages non joueurs. Voilà, merci à tous. À bientôt.